clap for your longest reigning tag champs and feel the power. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous ce soir à Raw is War. Au lendemain, The Beast in the East, on ouvre avec The New Day. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, accompanied by Big E and Kofi Kingston, representing The New Day from Atlanta, Georgia, weighing in at 205 pounds, Xavier Woods. C'est bel et bien le match pour le King of the Ring, le tournoi qui continue ce soir. Et c'est Xavier Woods qui est en action. Il est accompagné de bien sûr ses deux potes, Big E et Kofi Kingston. Le New Day qui ouvre l'épisode de Raw is War ce soir. Attention Xavier Woods parce que l'adversaire, il est bon. Eh oui, ce n'est juste que le Mr. Money in the Bank. Awesome! Eh oui, c'est bien lui! Il nous vient de Cleveland, Ohio! The Miz! Residing in Hollywood, California, weighing in at 221 pounds, he is Mr. Money in the Bank, The Miz! Né à Cleveland, résident à Hollywood, c'est le Mr. Money in the Bank. The Miz est dans la place, le Marine, qui va donc affronter Xavier Woods ce soir. Ça, c'est un match très intéressant. Il n'y aura que deux matchs ce soir. D'habitude, il y en a quatre. Ce soir, il n'y en aura que deux, car Stephanie McMahon et Lita feront un speech juste après les deux matchs. Les deux matchs, celui-ci sera suivi d'un autre match du King of the Ring, Baron Corbin contre Lars Sullivan. Oh là. Vous pourrez d'ailleurs retrouver à tout les gagnants et l'avancement du tournoi sur mon site. Le tournoi, le tableau sera mis à jour après chaque show. Xavier Woods est prêt. Et The Miz aussi. C'est parti pour le premier match de la soirée. Hashtag Raw is War. N'hésitez pas à réagir. Et le kick dans le dos de la part du Miz. Et kick dans le dos à nouveau. Et il commence fort le match, Monsieur Mizanin. Le jeune papa. Xavier Woods l'a relevé. Contact. Xavier Woods. On maintient la pression là. Oh, un plaquage au sol. Ah, le Miz qui passe derrière. Non. Non, Xavier Woods, allez. L'épreuve de force est passée. C'est déjà ça. Oh, il fait tomber. Allez, belle souplesse arrière de la part de Xavier Woods. Allez. Ainsi, le membre du New Day. Oh non, 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 le Miz. Oh, DDT. J'allais dire Glorious DDT. En parlant de Glorious DDT, Bobby Roode est dans le tournoi du King of the Ring du côté de WCW SmackDown Live. Les paris sont lancés, hein. Pensez-vous que ça va être une superstar de Raw is War ou de WCW SmackDown Live qui va remporter le tournoi? Le sondage est disponible sur mon site dans le lien en description de chaque vidéo. N'hésitez pas à aller voter pour vos pronostics. Il y a également quelques autres questions qui seront disponibles de temps en temps sur le site.
Et le Miz tentative de tomber un. Et dégagement. Il a relevé. Oh le Miz, oh le Miz. Oh oh. Et le Nightbreaker s'est bien enchaîné de la part du Mr. Money in the Bank. Oh la belle esquive. Heureusement pour Xavier Woods. Là, ce serait bien que le seul représentant du New Day soit dans le tournoi. Un. Et continue le tournoi. Mais en même temps, que le meilleur gagne, parce qu'on a envie de voir le Miz gagner des matchs. Moi en tout cas j'ai envie. Pas vous? Allez, avec la prise de tête là, il maintient. Oh Xavier. Et il va prendre de la hauteur. Et il s'est loupé. Le Miz a esquivé. Oh le coup de pied, oh c'est bon ça. Oh c'est bon. Le DDT planté dans le ring. Et là le Miz. Oh là là, le Miz qui va peut-être s'avancer dans ce tournoi avec le figure four leg lock. Xavier Woods qui est pris dans la soumission du Nature Boy. Ah non, non non non, il se dégage, il se dégage. Il a réussi à se dégager, heureusement pour Xavier Woods. Attention, le Miz. Ouf. Neckbreaker. Et la tentative de tomber. Oh, le tricheur. Deux. Le tricheur, elle avait le pied sur la corde. C'est totalement interdit. L'arbitre l'avait pas vu. Heureusement qu'il a pas gagné sur ça, le Miz. Pas fair play du tout. Alors que pour boucler la soirée, on aura le retour de Lita, enfin, à Raw is War. Sa rivalité avec Alexa Bliss est terminée. Lita va annoncer la Women's qu'elle a décidé d'affronter pour son dernier match avant de prendre sa retraite lors du prochain pay-per-view WWE Metal. Qui va être cette Women's? Va donc l'annoncer ce soir. Oh, la prise de soumission de Xavier Woods. Non, 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 le Miz, ah, c'est bien fait ça. Allez. Retournement. Oh, yo, 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 yo. Ouais, il nous fait une Hulk Hogan. Il nous fait une Hulk Hogan. Il est osé. Oh là. Ouf. Oh, oh, Woods, il a volé. Deux. Un, trois victoires de Mr. Money in the Bank. The Miz. Ah oui, bah. Que voulez-vous? J'ai envie de dire victoire logique. J'ai envie de dire une victoire logique pour le Mr. Money in the Bank. Quand est-ce qu'il va encaisser sa balai d'ailleurs? S'il te plaît, le Miz. Fais pas le con, merci. Non, mais juste ne fais pas le con. Ce serait sympathique. Que tu évites de faire le con. Voilà, tout simplement. Choisis bien ton moment. Ne nous fais pas une Lana, s'il te plaît, merci. Cordialement. En tout cas, belle victoire du Miz. Elle est importante à celle-ci. Y'a rien à dire. Le Mr. Money in the Bank qui continue l'aventure pour le King of the Ring. Here is your winner, the Miz. Très belle victoire de The Heel-Lister. Avec le Heat Couple qui est certainement le best couple à la WWE. Oui, on oublie cette Rollins et Becky Lynch. On s'en fout. Merci. The Miz. Maryse, c'est là. Le best. The Raw is War. Et pourquoi pas le Miz gagnant du tournoi? Ce serait bien, hein? Mr. Money in the Bank et King of the Ring. Il aurait tout gagné.
Alors qu'on accueille celui qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ici au mode univers, The Lone Wolf, Baron Corbin, ancien champion intercontinental du mode univers, bien présent ce soir. Et pourquoi pas Baron Corbin? Making his way to the ring from Kansas City, weighing in at 275 pounds, Baron Corbin. King Corbin. Franchement, ça a de la gueule. King Corbin. Autant le King Miz, non. Mais le King Baron Corbin, ça, ça aurait de la gueule. Il est roi et en plus il est baron. Par contre l'adversaire de ce soir, là aussi, ça va poser des problèmes pour Monsieur Corbin. Car c'est pas un Hornswoggle, c'est pas un Yoshitatsu, mais non, c'est bel et bien un Lars Sullivan. Ah oui, ah bah là, on peut dire que s'il voulait du challenge, eh bien il en a. On est toujours servi ici à la WWE. Il aurait même pu se prendre un Goldberg. Hein. Bon, on en est. And his opponent, from the Rocky Mountain, weighing in at 303 pounds, Lars Sullivan. C'est bel et bien Lars Sullivan, The Monster, celui que je verrais bien affronter Braun Strowman. Oui, s'il vous plaît, faites ça. Dans la réalité, ce serait pas mal. Lars Sullivan contre Braun Strowman. Monstre contre monstre. Ce serait tellement bien. Franchement, ça aurait de la gueule. Hein. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ce soir, on va se contenter d'un Lars Sullivan contre Baron Corbin. Et c'est largement suffisant au niveau spectacle, je pense. J'espère que Corbin, il est prêt. Parce que Sullivan, il est toujours prêt à faire mal, à blesser, à faire saigner. Fuis, Baron. Fuis. Essaie de gagner, mais fuis. Dès que t'as gagné, tu te barres. Non, concrètement, les chances de Baron Corbin ce soir sont minimes, mais il y en a quand même. Et ça peut peut-être suffire. On va voir. Second match du King of the Ring Tournament du côté de Raw is War. Le retournement de Baron Corbin, on a subi du coup de poing. Allez, il relève Sullivan. Oh my god, oh, magnifique, magnifique. Attention, torsion du bras de la part de Baron, c'est bien fait. Attention, oh là là, la powerbomb. Oh my god. Eh bien. Allez, Lars Sullivan qui a la main sur le match pour l'instant. Attention, oh, coup d'épaule de Corbin. L'arbitre, l'arbitre. Un, mais non, même pas un zéro. Aïe, 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 aïe. Allez, Baron, qui fait tout pour reprendre le dessus sur Sullivan. Oh, surpassement par-dessus les épaules, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Oh, c'est bien fait, ça. Et Sullivan le fait tomber. Attention, magnifique. Oh, le plaquage au sol.
Allez, le coup de genou. Sullivan, il a Corbin sur les épaules. Celui-ci, oh, le coup de la guillotine sur un troisième corde. Sullivan qui blesse le genou gauche. Et avec une tentative de tomber. Un et dégagement. Et ouais. Oh, fou dans les côtes. Et la classe là, Sullivan qui passe. Par-dessus la troisième corde. Allez, face contre le rebord du ring. Parce qu'on va avoir un petit End of Days. Par contre, il faut le soulever aussi, le Sullivan. Hein, avec le End of Days. J'espère que Corbin a fait travailler les bras. Attention, là, tombé. Un. Et dégagement. Encore trop tôt. Oh, oh là là, Corbin, il s'est fait stopper net alors qu'il allait faire une prise. On ne saura jamais laquelle du coup. Allez, 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 si. Ah, le backbreaker de Baron Corbin. Qui est prêt pour placer. Oh là là. Oh oui, 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 le End of Days. Ça va passer. Un, deux. Ça va passer, ça va passer. Non. Ah, presque. Pour Lars Sullivan. Qui se dégage. Ah, oh, dommage, dommage. Oh là là, oh là là, il a mal pris, je crois. Oh, il va prendre de la hauteur, attention, parce que... Parce qu'il peut esquiver la Corbin. Esquiver, non, il a pas esquivé. Aïe, 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 dommage. Baron Corbin est supérieur à tout le monde. Oh oui, surpassement par-dessus les épaules. Battre Lars Sullivan, ce serait quand même... important pour Baron Corbin, la confiance, le tomber, oui, 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 un dégagement. Il avait pied sur la corde, c'est triché, mais dommage. Allez, il continue ses multiples assauts. Oh, le retournement, oh, le coup de poing, il est bon. Torsion de la tête, et à nouveau, et oui, et à nouveau. Et la tentative de tomber. 1, 2, et dégagement. Et le dégagement. Non, oh, il a repoussé. Il projette en avant. Oh là 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 là, ça va faire mal, ça va faire mal. Et 1, 2, 2, 2, 2, non. Dégagement de Corbin qui reste là. Ne lâche rien, Baron. Tu peux le faire. Il y a la possibilité. Il y a moyen. Comme on aime dire, il y a moyen. Oh là là, oh là, oh là. Non, 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 mais non, mais non. C'est avec Brock Lesnar qu'il faut faire ça. Qu'est-ce qu'il prépare à Lars Sullivan? Non. Coup de poing dans l'abdomen de la part de Corbin. Qui projette Sullivan dans le coin. Allez. Ils sont hués tous les deux. Mais moi je suis la team Corbin. Powerbomb. Allez. Allez, un petit End of Days. Oh là 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 là. Ah, le backbreaker. Il va le faire. Il va le faire. Il est KO. Il peut. 1, 2, 2. Ah, dégagement, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Il fout la haine, hein. Il fout la haine. Faut arrêter. Allez, 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 le End of Days, le deuxième cette fois. C'est fini pour Sullivan, il se dégagera pas. 1, 2, 3 victoires de Baron Corbin. Qui a fait ce que tout le monde pensait impensable, infaisable. Battre Lars Sullivan, il l'a fait. Baron Corbin continue son aventure dans le King of the Ring. Il affrontera The Miz plus tard. Oula. Alors ça, j'aime pas quand il commence à hésiter.
Non, 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 non. Non, elle attaque. Non, elle attaque Sullivan. Non, 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 non. Et on est de retour après la pub et Stephanie McMahon, The Queen, est dans le ring. Je sais que vous n'êtes pas content que Brock Lesnar soit champion universel, mais je fais ce qui est le mieux pour le business. Bah, c'est vrai que les gens gueulent, ils sont pas d'accord qu'elle ait redonné le titre à Brock Lesnar après que The Rock l'ait rendu vacant après avoir été attaqué. Et ça, ça rend les gens malades. Vous êtes jaloux. Bref, ce soir, la Hall of Famers, Lita, a décidé d'annoncer qu'elle allait faire un dernier match avant de prendre sa retraite lors de WWE Metal. Metal est le prochain pay-per-view. Et Lita va donc faire son ultime match lors de ce pay-per-view. Et oui, ce sera la première édition. Histoire de marquer le coup. Ce ne sera donc pas Alexa Bliss. Lita est une vraie légende, ancienne championne, et qui mérite tout le respect des autres women's de la WWE. C'est vrai. Une vraie légende, Lita, il n'y a rien à dire. Elle mérite tout le bonheur et le respect. Elle s'est faite respecter. Elle souhaite affronter une woman's The Raw is War. Je sais qu'elle fera le bon choix. Elle fait toujours. Sa rivalité avec Alexa Bliss était une des meilleures rivalités de cette année. Mais elle s'arrête donc ce soir. Eh oui. Alexa Bliss réagira certainement face à ça. Elle voulait finir sa rivalité avec Lita. Et non. Laissez-moi vous présenter la WWE Hall of Famer, ancienne Women's Champion, la seule et l'unique, Lita. Et Stephanie qui fait donc une présentation de la Hall of Famers, légende vivante, Lita. Elle va donc laisser la place à la légendaire, l'ultime, l'incontestée, Lita. Merci Steph, on t'adore. Toujours aussi belle. Et donc Lita arrive. De retour à Royce War. Lita, enfin, enfin de retour à Royce War. Eh oui, elle a accueilli en reine. Clairement, très belle tenue hein, d'ailleurs Lita, waouh, là on est sur du haut niveau comme on dit. N'hésitez pas à noter la tenue de Lita, non je rigole, je rigole. Alors, waouh, quel accueil, merci, vraiment merci à tous, vous êtes adorables. Je suis heureuse d'être à nouveau à la maison. Ça peut se comprendre, hein, Raw, c'est sa maison, c'est là où elle a remporté la majorité de ses titres. Elle fait les meilleures rivalités. Comme l'a dit Stéphanie, je vais vous annoncer l'adversaire que j'affronterai pour mon dernier match. Croyez-moi, elle va être à la hauteur. Alors ça va être qui? Ça peut être Natalia, ça peut être Nia Jax, ça peut être Ember Moon. Ça peut être beaucoup. Beaucoup, oui, il y en a quand même beaucoup hein, des Women's hein. Riot Squad, Kabuki Warriors. Laissez-moi accueillir The Irish Last Kicker, The Man, Becky Lynch. Oh, elle a choisi Becky Lynch pour son dernier match. Oh là là, j'ai pensé à tout le monde sauf à elle. Holy shit, Becky Lynch
ancienne championne de Raw. Oh là là, oh là là. Et on va avoir un face-à-face déjà. Dès ce soir. Eh oui, bah en tout cas, oui, l'adversaire, c'est un très bon choix, Lita. Ah, elle est là, Becky, ça fait plaisir de la voir. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue. Ce match a de la gueule. Ce match a de la gueule, les gars. Je suis déjà hype par WWE Metal. Rien qu'avec cette affiche. Et Becky qui va... qui a l'air honoré. Honoré d'être là ce soir. On se sent jamais affronté. C'est vraiment incroyable. Je suis honoré d'être la dernière femme. C'est un rêve de gamine qui se réalise pour moi. Ah oui, Becky est encore très jeune. Quand Lita s'est fait connaître, t'es encore à son épopée. Apogée plutôt. Ta persévérance, ta motivation et ton énergie font de toi une catcheuse tout à fait unique. Tu as été et seras encore championne et tu le mérites. Waouh. Lita qui est très sympathique envers Becky. Beaucoup de respect entre les deux. Merci Lita. C'est touchant venant d'une Hall of Famer. Tu es unique. Toi et Trish ont percé mon enfance et m'ont poussé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je te dis donc merci, Lita. Oh là là. C'est de belles paroles. C'est vraiment de très belles paroles. Je suis sûr que tu seras une Hall of Famer, toi aussi. Tu as écrit l'histoire en partant de NXT jusqu'ici. Et tu l'écriras en plus en affrontant Lita. Et essayez de me battre, même si tu n'y arriveras pas. Ah. Ah bon. Lita a l'air très confiante quand même. Ah oui, mais n'en sois pas si sûr quant à ma défaite face à toi. J'ai battu des plus coriaces que toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, bien sûr. Ah oui, quand même. Lita a l'air très confiante. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Ah oui, t'as déjà affronté Trish Stratus, Jacqueline, Ivory ou encore Victoria? Non. Alors mon dernier match sera une victoire et j'espère que tu auras été digne d'avoir eu la chance de m'affronter. Ouh, Lita qui prend Becky Lynch de haut là. Oh là là. Me parle pas de grand-mère. Oh, moi je te parle de maintenant. Des vraies femmes qui passent plus de 2 minutes à la télé à faire de vrais combats et non pas des bra and panties match ou des striptease. Ouh là 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 là, ça part en clash. Ouh là 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 là. Oh, j'aurais pas aimé. On serait battu. Si moi et les autres, nous n'étions pas là, tu ne serais même pas sur ce ring aujourd'hui. Nous sommes les pionnières de la Women's Revolution. Bitch. Ouh là là, le respect il est en train de partir petit à petit. Ah, si on commence à mettre des bitch, ça va plus. Et les grands-mères, comme tu dis, peuvent te souffler dessus que tu tomberais par terre. Alors méfie-toi de tes paroles, la rookie. Rendez-vous à Metal. La rookie? Elle a appelé Becky Lynch la rookie? Bon bah alors ça, je ne peux qu'avoir hâte de Metal. Bonne soirée à tous, on se termine avec ce face-à-face tendu. Oh, bousculade! Quel face-à-face!